Zéro, bonsoir. Voilà, eh bien, bonsoir tout le monde sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Ce soir, super patate. Et oui, pourquoi? Parce que l'inspiration est là. L'inspiration est arrivée. C'est normal, hein, après avoir beaucoup travaillé, mais voilà, je commençais à me demander ce que je pouvais arriver à faire. Donc, bienvenue sur ce live. Alors, je ne sais plus le numéro, c'est pas grave. Je vous le remettrai après. Marie-Christine Eustache, donc sur son profil. Et Marie-Christine, elle fait quoi exactement? Eh bien, j'ai mis sur mon bandeau, je cultive le bonheur, parce que c'est vraiment ça dont j'ai pris conscience pour vraiment avancer dans la vie. Et qui j'accompagne en particulier finalement? Ben, j'accompagne les femmes qui ont un projet, qui ont une envie, un rêve, mais qui ne savent pas par quel bout prendre le truc. Alors que ce soit suite à un congé parental ou après une période à s'être occupé des enfants, l'envie de créer sa propre activité ou l'envie de retourner en entreprise, mais d'avoir un petit peu des doutes sur ce qu'on a envie de faire, ce pas faire, etc. Est-ce qu'il faut retourner faire une formation ou pas une formation, etc. Moi, je vous accompagne en fait là-dessus pour réaliser votre projet, quel qu'il soit, que ce soit pour retourner en entreprise, pour monter votre propre structure, bref, pour mettre en place votre projet, qu'il arrête d'être juste dans la tête en disant « Ah ouais, ce serait bien qu'un jour je fasse ça » et de pouvoir vraiment l'ancrer dans la matière pour poser les premières pierres. Et en fait, c'est ça que j'ai réalisé, c'est ça que j'ai fait en accompagnement jusqu'à présent, que ce soit Caroline justement pour changer d'activité, que ce soit, alors je me souviens plus, je crois son prénom, c'était Sylvia, faut que je regarde dans mes dossiers, qui justement après une longue période où elle s'est occupée de ses enfants et elle se disait mais en fait je sais rien faire quoi. Et là je lui ai montré mais je dis, il y a toutes ces compétences-là qui ont été développées, le temps à garder les enfants. Elle me dit, ah ouais! Et ou une autre aussi qui était en congé parental, qui avait envie de retrouver un job, mais qui ne savait pas comment faire, et qui avait un job de rêve, mais qui pensait que ce job de rêve n'était pas réalisable. Eh bien, elle s'est rendue compte que c'était réalisable en France, et elle a pu le mettre en œuvre. Voilà, en fait, c'est ça. C'est ça que j'ai le plus de bonheur à faire, à accompagner les personnes. Bonsoir, je vois qu'il y a un petit œil qui arrive. Et donc ce soir, bonsoir Michel, bienvenue sur le live. Et donc voilà ce que je souhaitais vous partager. Et puis surtout parce que bah, tout à l'heure, j'étais en train d'accompagner, je suis marraine d'une association qui s'appelle Proxité, qui accompagne les jeunes à démarrer dans la vie, justement. Et donc j'accompagne un jeune qui est originaire du Mali et qui est arrivé en France il y a 3 ans maintenant et qui est en train de s'insérer, etc. Et donc on a fait un petit peu un brainstorm, hein, on a un peu secoué le cerveau pour sortir plein d'idées. Et ça m'a permis aussi moi de secouer mon cerveau un petit peu, qu'on avait besoin aujourd'hui, après la journée, et d'avoir justement le nom du programme que je vais vous proposer par rapport à ça. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'infos, bah vous me mettez un MP et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà la révélation du jour, cette inspiration qui est venue. Parce que vraiment, voilà, il y a plein d'outils en fait qui rentrent en ligne de compte dans cet accompagnement que je peux vous proposer pour passer du stade de rêve, voilà, j'ai envie, mais je ne sais pas comment faire. Oh, c'est concret, c'est en place, vous avez les premières pierres, vous savez quoi faire. Et c'est posé et c'est complètement OK pour vous. Et vous êtes évidemment, voilà, parce que les personnes que j'accompagne, quand elles ont trouvé vraiment le truc qui leur plaît et qu'elles vont mettre en place, ben, il n'y a plus d'épuisement. Il n'y a plus d'épuisement, il n'y a plus de ras-le-bol, il y a juste l'envie de mettre en place les choses et ben, de faire partager ça, parce que c'est de partager ce projet qui est en train de naître. Alors, il y a des. Enfin, ce qui est génial, c'est qu'il y a des idées tout aussi extraordinaires les unes que les autres. Et c'est ça aussi dont le monde a besoin. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont voilà, s'éclater à faire de la dentelle et à proposer des cours de dentelle parce que c'est super joli de faire ça. Il y en a qui vont faire dans le métier des fleuristes ou dans le métier du jardin. Ou, enfin, il y a tellement de potentiel qui peut se développer. Et c'est ça qui est génial, en fait, actuellement, c'est que
tes possibles. D'accord? Alors, il y en a évidemment qui vont dire, ouais, non, mais c'est compliqué, machin. Ok, bah, cela, restez de côté. D'accord? Moi, ça ne m'intéresse pas. Si vous pensez que, ouais, c'est compliqué, machin, ok. Moi, ça ne m'intéresse pas de vous aider là-dessus. Moi, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont envie de quelque chose, mais qui ne savent pas comment le mettre en œuvre et comment arriver à connecter et à mettre tout ensemble pour que ça avance. Parce que moi, c'était ça, en fait, la problématique que j'avais il y a plusieurs années. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pataugé dans tous les sens. Mais en même temps, c'était pour acquérir des outils, pour faire le tri dans les outils. Ça, ça marche, ça, ça marche pas. Ça c'est efficace, ça, ça ne l'est pas. Et c'est ça, en fait, mon parcours. Ça m'a permis de faire le ménage, en fait, de toutes ces choses-là. Et puis aussi de découvrir bah, des pratiques qui permettent d'avancer beaucoup plus vite et d'aller plus vite au centre de ce qui est du besoin que vous avez, que vous exprimez. Voilà. Donc c'était le live que je souhaitais vous partager ce soir. Rien de plus pour l'instant. Je vais manger un petit peu. Mon chéri est parti, lui, en réunion municipale. Il m'a préparé le dîner, c'est top. Voilà. Et après, je vais aller prendre ma veste de ménage, le balai, finir de vider ce satané box de stockage. Ça y est, c'est fini. Ce soir, je vais pouvoir laisser la clé dessus et mettre un petit mot à la dame. Le box est vide, la clé est sur la porte. Voilà, terminé. Ce sera une affaire classée. Très bien. Et c'est ce qui me plaît. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, bonne continuation. Et puis, ben, à demain pour le nouveau live. À bientôt.